Yo les gens, c'est Fatman80HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit commentary qui n'était pas prévu. À la base, je l'ai fait en live cette vidéo. Le truc, c'est qu'en fait, l'enregistrement d'Audacity a planté. J'ai réussi à récupérer la bande-son, mais j'ai récupéré que 15 minutes. Enfin, non, pas 15 minutes, la moitié. La moitié des 15 minutes, enfin, le gameplay en fait 16. Enfin, je sais même pas combien on fait le gameplay, finalement. Mais j'ai récupéré que la moitié. Donc j'étais un peu dégoûté. Donc bon, je me suis dit, comme le gameplay est intéressant, autant le vous proposer quand même. Ça serait méchant de ma part. Donc, petit commentary comme ça, histoire de vous faire patienter, parce que comme vous savez tous, hein, j'attends le Sleeping Dogs avec impatience. Le problème c'est que je suis pas sûr qu'il arrive ce week-end. Donc je vous fais cette vidéo, car s'il arrive pas, comme ça au moins vous aurez une petite vidéo avant le débrief. Débrief dont la formule va quand même changer parce que j'ai vu j'ai pris en compte certains commentaires, puis je vais essayer de parler de j'ai quand même parlé de Paris, enfin de Paris non j'en parle déjà, mais de Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, des autres clubs, enfin des clubs un peu plus suivis quoi, hein. Si je parle pas de Brest ou Nancy, m'en voulez pas trop, hein, c'est juste que voilà, je parle de. Je pense que j'ai beaucoup plus de supporters de des équipes que j'ai citées précédemment que les autres. Puis voilà, c'est. Bon, de toute façon, si je n'ai pas regardé les feuilles de match, mais. Enfin, les. Ouais, j'ai pas regardé les autres matchs, mais. Enfin, contre qui joue Lyon, tout ça, mais ça se trouve, ils jouent contre une des équipes, donc contre Brest, et de toute façon, ils jouent forcément contre une petite équipe. Donc je vais forcément parler dans le truc. Après, ce sera pas un débrief poussé comme celui du Paris Saint-Germain où je vais parler 20-30 minutes, hein, ce sera. Un court résumé de mon avis sur le match. Donc voilà, ça peut plaire à tout le monde. Comme ça, les gens ils seront contents. Et puis voilà. Donc après là, comme je vous fais un commande, le gameplay, donc sûrement il vous dit quelque chose. Vous avez sûrement vu mon but de Mandzukic que j'ai upload tout à l'heure sur YouTube. Je dis tout à l'heure hein, parce qu'au moment où je vous parle, il est 21h53, on est jeudi, donc la vidéo sera sûrement disponible demain. Enfin, dans la nuit, même si je la mettrai en ligne que sera visible que demain dans la journée, donc enfin, vers midi, de toute façon, toujours vers cette heure-là. De toute façon, quand je me réveille, je le mets en upload. J'estime que quand je suis réveillé, tout le monde est réveillé. Comme ça, pas de jaloux. Puis, comme ça, même quand les gens ils se réveillent, ils voient le travail de l'artiste, quoi, quelque part, c'est la plus grosse des récompenses. Donc, ce que je suis en train de dire n'a absolument aucun sens. Donc je vais vous parler un peu actualité foot parce que y a que ça à faire dans des commentaries comme ça. Parce que le gameplay, je vais pas vous spoil parce que c'est un gameplay un peu fou, un gameplay complètement taré. Donc, je vais vous parler de l'actu foot, bon surtout transfert, hein, vous êtes au courant. Puis il y a l'équipe de France aussi dont on peut parler. Donc, les transferts, donc Van Persie qui a signé à Manchester United hier, enfin donc mercredi, pour un montant de 30 millions d'euros. Enfin. Un autre, comment dire, un gros transfert autre qu'au Paris Saint-Germain. Faut dire ce qui est, hein. Enfin, même si beaucoup peuvent trouver que c'est arrogant ce que je viens de dire, jusqu'à maintenant, des gros transferts, il n'y en a pas eu. Surtout le Paris Saint-Germain qui a animé le mercato. Moi, je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus animé. Et je m'étais dit que quand Van Persie partirait, ça allait bouger dans tous les sens. J'espère que ça va être le cas. Donc, concernant ce transfert. Je sais pas vraiment quoi en penser parce que Van Persie, c'est un joueur, j'ai un peu du mal avec lui parce que c'est sa seule vraie grosse saison depuis qu'il est pro, enfin depuis qu'il est Arsenal. Le mec est surtout, il est souvent blessé. Hein, faut dire ce qui est, cette année il a eu la chance d'être épargné par les blessures, ce qui fait que voilà, ça y est, hein, il a réussi enfin à confirmer, enfin à confirmer non, à faire une grosse saison. Personnellement, Arsenal ils font une bonne affaire parce qu'ils se seraient barrés tôt ou tard, ils se seraient barrés l'année prochaine gratuitement. Parce que vu le comportement qu'il avait, je pense qu'il aurait fait un coup de pute, il aurait pas prolongé. Donc, Arsenal l'aurait eu un peu, comment dire, dans un endroit pas très où ça fait pas très du bien. Ouais, je pense que de ce côté-là, Arsenal ils ont fait une bonne affaire. Après, faut voir comment ils vont réutiliser les 30 millions d'euros. Bon, devant, ils ont ce qu'il faut, hein. Ils ont recruté Giroud, même si, bon, Podolski, pour moi, c'est un peu faible. Hein. Podolski, de toute façon, ce joueur, il est étrange. C'est un joueur étrange, hein. C'est un mec qui collectionne les clubs en Allemagne. Cette année, il me semble, il a marqué pas mal de buts, mais au final, son club descend. Donc, c'est un joueur assez bizarre. Donc, après, va falloir voir comment il réinvestit cet argent.
Surtout que ça parle d'un probable départ de Song du côté de Barcelone. Donc ça, ce serait une grosse affaire pour le Barça parce que Song, il est monstrueux. Donc voilà, faut voir. Ça parle de M. Villa, vous savez. Enfin, je pense que vous savez tous qu'il va partir. M. Villa va partir du côté du. Comment dire, du Paris. Enfin, du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que je raconte? Enfin, j'ai trop l'habitude de dire qu'il y a des joueurs qui aillent au PSG, qui vont au PSG. Il va partir en Angleterre, c'est sûr. Lille a. Enfin. Lille. Mais je confonds tous les clubs là, qu'est-ce qui m'arrive? Rennes. Je vais arriver, enfin, je vais peut-être y arriver. Rennes a confirmé. Bah, Rennes a confirmé qu'il allait partir. Lui aussi. Ils ont reçu une offre super intéressante d'un club anglais. Ils n'ont pas dit le nom. Puis bah voilà, donc M. Villa va sûrement se barrer en Angleterre, apparemment, enfin apparemment. Arsenal ils sont dessus, tout le monde le sait, donc faut voir si ce sera cette destination-là pour lui. Moi je pense que ça sera ce côté, ça sera Is. Je pense qu'il signera Arsenal. Putain, je vais réussir, en plus je baille et tout, faut que je fasse attention parce que quand je baille, les gens ils aiment pas apparemment. Donc voilà. Ouais, donc M. Villa du côté d'Arsenal, pour moi c'est la chose la plus c'est ce qui est possible pour moi. Donc va falloir voir un peu falloir voir un petit peu ce qui se passe, enfin ce qui se trame tout ça. Après, autre transfert en Ligue 1, donc Bicevac a signé à Lyon, ça y est, c'est officiel. Donc hein, tout le monde, enfin tout le monde, je l'avais annoncé, puis bon de toute façon c'est ce qui se disait, donc Réveillère devait signer au Paris Saint-Germain en échange. Finalement, Réveillère ne partira, enfin reste à Lyon. La visite médicale n'a pas donné satisfaction. Pour la simple et bonne raison que Réveillère, apparemment, bah, il joue avec un problème de ligament depuis pas mal de temps déjà. Il avait refusé de se faire opérer spécialement pour les besoins du club. Donc, nous, les médecins ont diagnostiqué que bah, il n'était pas apte bah, pour le club. Puis moi aussi, je pense que c'est surtout une stratégie parce qu'en fait, le Paris Saint-Germain, vu comment il voulait se débarrasser de Bicevac, c'est qu'il va y avoir sûrement une grosse arrivée encore. Honnêtement, je pense pas que Carlo Ancelotti sera satisfait avec seulement un arrière-droit, parce qu'au final, on n'a pas de doublure à ce poste-là maintenant. C'est le seul poste d'ailleurs où on n'a pas de doublure. Moi, franchement, je sais pas. Enfin, je vais me répéter encore, je sais pas du tout qui ça peut être. Hein. Ça te parle toujours maintenant de. Enfin, Maicon, c'est mort vu qu'il est brésilien. Donc, sur les pistes possibles qui étaient évoquées, donc ça sera obligé à Alves. Vous allez voir que ça va revenir. Alves, vu qu'il a la nationalité espagnole aussi. Donc, lui, il prend pas une place d'extra-com. Vous savez, enfin, on sait que le Barça a besoin de liquidité, que Alves est gourmand au niveau salaire, puis qu'il serait pas contre un départ. Franchement, moi, je pense que Alves, c'est fort possible qu'il vienne. Hein. Honnêtement, il y a son pote Thiago Silva il y a son pote Thiago Silva, Ibrahimovic. Franchement, ça peut être intéressant. Hein. Le Paris Saint-Germain, ce que je répète encore et toujours, maintenant, ils construisent un super gros projet. Donc, il y a pas mal de joueurs qui veulent en être. Après, c'est vrai que lui, il est au Barça, c'est le top du top. C'est les meilleures équipes du monde, voire de tous les temps. Le mec, enfin, peut-être qu'il ne veut pas bouger ou peut-être qu'il en a marre aussi. Après, c'est ça, les gens ils se disent, c'est que force de gagner, 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 peut-être qu'au bout d'un moment ils en ont marre, les mecs. Bon, moi, franchement, je comprends pas ce sentiment-là. Mais comme enfin, ils savent, enfin, ils savent qu'il y a moyen de se faire aussi peut-être plus d'argent du côté du PSG, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'aspect financier, forcément. Ça risque de ramener du monde. Donc voilà, donc il y a Daniel Alves. Puis apparemment, il y a comment Zlatan Ibrahimovic. Donc déjà, il a conseillé. Comment il s'appelle? Abate, l'arrière droit du Milan AC à Ancelotti. Apparemment, il fait le forcing, lui. Enfin, comment dire? Zlatan l'appelle tous les. Apparemment, Zlatan l'appelle pour l'an dernier. Bah, c'est ce qui se dit. Hein, moi, enfin, c'est pas des trucs que je vous balance sans source, hein, que j'invente. Hein, c'est des trucs que j'ai vus sur Twitter. Donc après, moi sur Twitter, enfin, faut suivre les bonnes personnes. Hein, c'est ce que je dis toujours. Faut suivre les bonnes personnes. Il y a des gens qui ont des infos. Par exemple, Réveillère, depuis tout à l'heure, enfin, depuis avant même que tous les médias l'annoncent, enfin, les sous-médias, on va dire, pas les sous-médias parce que c'est eux qui ont les plus grosses infos pour moi, mais les petits médias moins connus, c'est eux qui annoncent toujours les trucs avant, et ça, j'avais vu sur Twitter déjà en avance. Donc voilà, donc Abate, apparemment, je sais pas du tout. Moi, franchement, tant qu'on trouve mieux que Jallet, parce que Jallet, moi, il m'a pas rassuré encore en équipe de France, il m'a pas rassuré défensivement. Franchement, il a vraiment des grosses lacunes. Faut dire ce qui est, hein, c'est vraiment son gros problème défensivement.
Autant offensivement ça passe, même si au bout d'un moment il fait toujours la même chose. Donc là vous avez vu hein, le Mandzukic, je reviens un petit peu sur le gameplay, vous avez vu le Mandzukic show. Même s'il a des lacunes, enfin il a des. Il a quelque chose hein, offensivement, c'est clair. Mais après, enfin, on peut pas se permettre au niveau auquel le PSG veut figurer d'avoir un joueur qui peut nous coûter des points. Après, c'est vrai que côté gauche aussi, c'est pareil. Hein. Moi, franchement, Balzaretti, j'aurais signé direct. Le problème, c'est que la Roma l'a signé. L'a signé pour seulement 5 millions d'euros. Je pense que lui, il en avait marre de son côté bah, de pas voir l'offre du Paris Saint-Germain arriver. Parce qu'il a dit qu'il attendait, mais au bout d'un moment, moi, je le comprends, le mec. Enfin, il veut jouer. Il veut des garanties. Et puis, il y avait un club sur lui, la Roma. Donc, il va toujours jouer en Italie d'un côté. Donc, voilà. Donc moi je suis un peu déçu parce que je l'aurais pris. Après c'est clair que Maxwell, moi je l'aime bien Maxwell offensivement, mais pareil défensivement c'est pas du pur joueur. Hein. Après il y a des gens ils critiquent Alves sur ce côté-là parce qu'il monte beaucoup, mais Alves dès l'instant où il montera moins, Alves défensivement c'est pas un peintre. Hein. Regardez les Real Barça, à chaque fois Ronaldo vous le voyez pas faire grand-chose. Hein. La seule et bonne raison, enfin pour la simple et bonne raison. Que c'est Dani Alves au marquage et que Dani Alves il lâche rien, c'est un pitbull. Puis bon, certes, il faut dire ce qu'il est, il a une mentalité, c'est un peu une nid parce qu'il met des coups. Après, ça c'est un peu la mentalité brésilienne, hein, faut dire ce qu'il est. Enfin, regardez Thiago Motta, c'est du joueur qui met le pied, qui met des coups. Donc voilà, donc ça c'était le point un peu gros sur l'arrière droit du le futur possible arrière droit du Paris Saint-Germain. Ça se trouve, vous recrutez personne. Moi je dis ça, ça se trouve, je m'enflamme, mais c'est. Pour qu'il refuse Réveillère comme ça fait un peu, moi ça me fait un peu penser à Sissoko. Enfin c'est ce que j'ai vu sur un forum aussi et ça, donc du coup ça m'a fait rappeler ça. C'est Sissoko quand, bah Sissoko avant de signer à Lyon, l'arrière gauche de Lyon, il devait signer au Milan AC. Le Milan AC ne l'a pas pris, prétextant un problème dentaire. Et juste derrière il chope je sais plus qui à gauche. Honnêtement, enfin non ils gardent, ils ont pas recruté à gauche, ils gardent et honnêtement, en fait, je pense qu'ils ont surtout vu le niveau du bonhomme. Puis maintenant, on voit que Lyon s'en mord les doigts. Enfin, s'en mord les doigts. Non, Lyon essaie de s'en débarrasser à tout prix. Parce que, ouais, bon, s'ils s'en mordent un peu les doigts, parce que le mec, il a pas le level. Donc voilà, je sais pas. Moi, franchement, pour moi, ils vont recruter quelqu'un. Encore. De toute façon, vous avez très bien vu. Hein. Ancelotti, Mercato fini. Lucas, il signe 3 semaines après. Enfin, ça, c'est pour travailler tranquillement. C'est pour pas. Mais après, le problème, c'est que là, l'histoire de Réveillère, je pense que maintenant, les journalistes, ils vont être au moindre affût de chaque petite sortie parisienne. Enfin, dès qu'il y aura un petit dossier un peu chaud, les fouines, elles vont s'immiscer. Ah, ça fait partie du jeu, hein. Faut qu'ils vendent, hein. Faut qu'ils mangent. Donc voilà. Donc je vais parler un petit peu de l'équipe de France maintenant, parce que je parle tout depuis tout à l'heure, comme d'hab, souvent du PSG, mais bon. C'est-à-dire que, comme vous avez pu constater, je suis un passionné. Hein. La passion ne s'effrite pas au fil du temps, même si, bon, la passion n'est plus la même qu'avant. Voilà. Je peux pas. Il n'y a pas de violon en arrière-plan, donc je peux pas vous faire pleurer, mais bon, c'est tout comme, quoi. Moi, j'ai la larme à l'œil quand je vous parle. Non, je rigole. Ouais, donc l'équipe de France, premier match de Didier Deschamps à la tête de l'équipe. Bah, j'avais oublié à quel point un match d'équipe de France c'était chiant. Je somnolais dans le match pour vous dire, j'ai failli m'endormir. Franchement, il n'y a pas de jeu, enfin aucun fond de jeu. C'est un peu toujours la même. On dirait que les entraîneurs, enfin les sélectionneurs passent, c'est toujours la même chose. Après, c'est peut-être les joueurs. Je veux bien qu'hier on n'avait pas l'équipe A. Mais bon, c'est abusé quoi. Pour moi, le seul mec qui a vraiment fait un bon match, c'est Mapu Yangambiwa. Mapu, comme disait Christian Jean-Pierre. Oui, c'est Mapu, c'est Mapu. Après le reste, voilà, enfin Ribéry, le mec. Bon, après, ce qu'il faut se dire aussi, moi, en relativisant, c'est que les joueurs sont pas tous au même stade dans la préparation. Par exemple, l'équipe de France, enfin, les joueurs qui jouent en Ligue 1, ils sont prêts, enfin, ils sont prêts. Ils viennent de reprendre le championnat, donc pour eux, c'est beaucoup plus simple. Les joueurs qui jouent en Allemagne, bon, il n'y a que Ribéry. Il me semble que le championnat reprend cette semaine, enfin, se reprend ce week-end, si je dis pas de bêtises. J'espère ne pas dire de bêtises d'ailleurs. Mais pareil, enfin les mecs qui jouent en Italie, mais je dis des conneries, mais on en apprend. Enfin les mecs ils sont pas au même stade dans la préparation, voilà, c'est ça l'excuse. Donc c'est surtout aussi un match pour se jauger. Mais bon, en attaque, enfin les deux ils se trouvaient pas.
Benzema, il dézone trop, le mec, il se retrouve au milieu, il est tout le temps au milieu de terrain, faut arrêter les conneries. Faut arrêter, c'est pas possible. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, autour de Benzema, je sais pas, parce qu'il fait des grosses saisons du côté du Real, moi, honnêtement, côté Real, hein, je pense que il a quand même l'entourage qui lui facilite la tâche, hein, faut dire ce qui est. Mais il y a un mec qui faisait exactement la même chose, il s'appelait Nicolas Anelka. On lui est tombé dessus à cause de ça, du fait qu'il dézonait trop. Ils font exactement la même chose les deux, hein. Honnêtement, c'est juste que Anelka, il avait l'image du méchant garçon, l'image du méchant garçon, Dark Vador, je sais pas moi, mais bon, faut arrêter les conneries, au bout d'un moment, le mec, ils font exactement les mêmes trucs, mais il n'y a pas exactement les mêmes critiques, c'est pas les mêmes critiques. Au bout d'un moment, moi, Benzema, il est gentil, il marque en amical et tout, c'est cool. En compétition officielle à l'Euro, on l'a pas vu. Voilà, c'est ça. C'est bien beau de faire des passes décisives, faire des passes derrière, toi. Frère, t'es buteur, faut marquer. Faut marquer, tout simplement. Donc c'est ça qui manque un peu à l'équipe de France, un vrai buteur. Bon, Giroud, malheureusement, il a eu du mal, hein, faut dire ce qu'il est. Giroud aussi, il a eu du mal. Bon, après, c'est vrai que c'est un nouveau duo d'attaquants, donc faut qu'il trouve les repères en match. Mais bon, il dit à l'entraînement on se trouve, en match on se trouve pas. Parce qu'en même temps, à l'entraînement, t'as pas le même style d'opposition. Là, il y avait Lugano, le pitbull, qui a découpé je sais pas qui. Lugano, il a découpé un joueur à un moment. De toute façon, c'est Lugano. Hein. Même si Lugano, bizarrement, il a rien eu à faire. Enfin, c'est là qu'on voit que le système défensif mis en place au PSG ne lui correspond pas. Parce que le mec, là, comment ça s'appelle? Avec l'Uruguay, aucun problème. Après, c'est vrai que l'Uruguay joue à 5 défenseurs, joue avec deux défenseurs centraux, plus un libéro derrière. Et ce libéro, c'est Lugano, si je dis pas de bêtises. Donc lui, il est vraiment dans le rôle du stopper, dans le mec devant le gardien. C'est limite un deuxième gardien. Bon, il n'a pas le droit d'utiliser les mains que les pieds. Mais c'est vrai que sa vitesse, là, de ce côté-là, il n'est pas désavantagé par sa vitesse, parce qu'il n'a pas besoin vraiment de se replier, vu que lui, il est toujours, toujours, toujours derrière. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'il y avait à dire sur l'équipe de France, honnêtement. Milieu de terrain, je ne l'ai pas trouvé transcendant d'ailleurs. Je suis déçu parce que j'ai pas vu Matuidi. Matuidi, je sais même pas. Peut-être falloir qu'ils arrêtent de le sélectionner parce que le mec, à chaque fois, il y va. C'est clair. Hein, il est content, il est avec d'autres joueurs. Mais bon, les mecs, ils jouent pas. Autant qu'ils restent au Paris, autant qu'ils restent entraînés quand des loges. Enfin, voilà. Donc là, je suis en train de regarder. Oh, le gameplay va bientôt se terminer. Donc il va peut-être falloir que j'arrête de parler. Puis bon, j'allais. Hein, j'en ai parlé hier. Deux actions, enfin, il a été sur les deux seules actions, les deux seuls débordements sur son couloir de Christian Rodriguez, il s'est fait salir. Donc voilà. Hein. Donc c'était un petit commentary un peu actualité football. Donc j'espère que ça vous a plu. Bah, continuez à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Abonnez-vous. Abonnez-vous, commentez, aimez, débattez, faites ce que vous voulez. Donc c'était Fatman91HD, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour le Sleeping Dogs, j'espère. Sinon, le débat. Bye tout le monde. Prenez soin de vous d'ailleurs. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.